Comment vous dire? Écoutez, déjà bonjour à tous et à tous les copains, j'espère que vous avez la forme et surtout que vous faites attention à vous en cette période assez compliquée en France et partout ailleurs. Vous qui regardez des vidéos sur YouTube, qui me regardez moi actuellement et qui sont confinés chez eux, je vais être clair, précis, efficace. Cette vidéo, il faut vraiment que vous la partagiez. Cette vidéo, il faut que vous en parliez à tout le monde, à vos amis, à votre famille, sans faire le complotiste ni le scientifique. De une, parce que je ne suis pas scientifique. De deux, parce que... Enfin bref, vous allez voir ça, mais vraiment, je le répète, il faut que cette vidéo soit partagée à tout le monde. Je le demande en ce moment sous mes vidéos, et là, je vais vous le redemander. Ne regardez pas cette vidéo sans mettre un pouce bleu et sans la commenter. J'ai besoin de l'avis de tout le monde, que tout le monde échange et parle de ça dans l'espace commentaire. Et surtout que tout le monde la like pour qu'elle soit au maximum référencée. Il faut qu'il y ait autant de likes que de vues sur cette vidéo, c'est très important. Il faut qu'elle soit au max référencée, en espérant qu'elle ne soit pas démonétisée à cause de ça. Parce que quand une vidéo est démonétisée, elle est moins bien référencée. Peut-être cette vidéo voilà, va disparaître clairement d'Internet, ce que je la trouve très troublante. Le mec nous apporte vraiment des preuves avec des choses concrètes. Mais malheureusement, après certaines recherches, on s'aperçoit qu'en fait, le brevet n'est pas par rapport à la souche actuelle responsable de l'épidémie du coronavirus. Je suis sûr que ça va être supprimé des réseaux sociaux. Je pense même que peut-être cette vidéo sera faite supprimée par YouTube. J'ai fait mes propres recherches à côté et j'ai pu découvrir certains trucs. Donc déjà de une, en tapant ça sur Internet, vous pourrez tomber sur un site qui vous montrera du coup tout ce qui est écrit dans le brevet, qui vous le proposeront aussi en téléchargement. Je pense pas que ça va être disponible très longtemps, donc profitez-en. Et de deux, je me suis aussi permis de regarder des reportages de chaînes de télévision concernant cette information-là qui date déjà de plusieurs semaines. Alors, est-ce qu'il faisait allusion à cette vidéo ou pas? Je ne sais pas, mais il parle du coup de cette nouveauté en disant que c'est une fake news. Je ne sais pas si c'est vrai. Honnêtement, à choisir entre une chaîne de télé qui répète bêtement ce que le gouvernement peut lui souffle à l'oreille, car le monsieur nous a apporté des preuves comme quoi tout ce qu'il disait est vrai. Mais la seule chose qui pourrait me faire douter, est-ce que du coup ce dossier concerne le Covid-19 ou une autre souche du virus? Enfin, il y a juste un truc qui est pas logique dans tout ça, c'est pourquoi est-ce que le gouvernement, vraiment ce dossier, l'ont laissé visible sur leur site officiel aussi longtemps? Et en même temps, pourquoi le supprimer par la suite s'ils ont rien à se reprocher? Ce document visible au début et supprimé par la suite pour faire passer du... Alors, c'est peut-être un malentendu, est-ce que ce brevet concerne pas exactement la souche du Covid-19 et ce qui est réellement responsable de l'épidémie actuelle, que sinon ils n'auraient pas ensuite supprimé le brevet des sites officiels. Et surtout, pourquoi est-ce qu'ils n'en parlent pas à la télé de cette fake news? Est-ce qu'ils chercheraient à justement pas donner d'ampleur à ce truc-là? Ce numéro de brevet sur Google, on tombe directement comme par exemple sur une vidéo du coronavirus justement et plein de choses comme ça. Est-ce que ça parle bien de la souche du coronavirus si on croit ce monsieur? Si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'ils ont du coup par la suite supprimé ce document officiel sur leur site? Et si ça, il ne s'agit pas de cette souche, pourquoi avoir supprimé aussi? Et surtout, bah pourquoi est-ce qu'ils l'ont laissé aussi longtemps visible ce brevet? Enfin, je pense que vous voyez où est-ce que je veux en venir. Moi, je vous partage la vidéo. Après, à vous de vous faire votre propre avis. C'est vrai, c'est la seule chose que je trouve pas logique. Pourquoi est-ce que le gouvernement aurait laissé ça visible aussi longtemps? S'ils veulent cacher quelque chose. Parce que oui, c'était visible sur le site officiel du gouvernement. Même moi, j'ai pu voir qu'il y était, mais il a été supprimé. Directement, il joue franc jeu, il met tout sur la table. Hein. Il a l'air d'être à un poste où il a pu se permettre de récupérer des brevets et en imprimer. Je sais pas exactement. Que vous nous croyez ou pas, c'est pas un problème. Il y a tellement de vidéos qui sont fausses, ça ne nous dérange pas. La différence, c'est que nous, on va vous montrer par A plus B comment a été créé le virus. À la fin, bien sûr, on vous dira qui a créé le virus, parce que ça, c'est le plus intéressant. Pourquoi a été créé le virus? Et toutes les corrélations. Le virus, aujourd'hui, est là, et on reviendra à l'Institut Pasteur sur la fin. Toutes les informations, vous pourrez les vérifier. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va s'intéresser à Wuhan. Pourquoi Wuhan? Les Français, avec la contribution des Chinois, construisent un laboratoire P4. P4, c'est un laboratoire qui abrite les microbes et organismes les plus dangereux du monde, dont virus et tout ce que vous voulez. Parce que quand on a cherché un papier que je vous mettrai à la fin en copie, où l'inauguration a eu lieu, et qui a inauguré? Monsieur Yves Lévy. Wuhan, que s'est-il passé? Le problème, c'est qu'on n'a pas d'écrit, on n'a pas de preuves. On pense, mais là-dessus, ça engagera. On pense qu'une chauve-souris a dû s'échapper ou il y a eu quelque chose, mais là-dessus, on ne peut pas vous dire véritablement. Par contre, on peut vous dire, c'est bien de Wuhan et que les Français y étaient avec eux.
On va revenir sur le coronavirus, parce qu'en fait, on vous parle de souches. Le problème, c'est que dans cette espèce de virus, on trouve deux souches. C'est impressionnant, deux souches. Comment dans la nature, deux souches peuvent se rencontrer? Et comme je vous dis, à la fin, je vous mettrai les initiales des gens avec qui j'ai travaillé, parce que certaines personnes ne veulent pas être dévoilées au grand jour, ce que je peux comprendre. On a trouvé, en fait, coronavirus associé au SRAS. Associé au SRAS. Qu'est-ce que c'est le SRAS? Qui déjà en 2003 a fait beaucoup de décès en Chine. Et on a cherché, on a retrouvé en fait que, on est remonté jusqu'en 2003 juste pour vous donner les chiffres, on trouve des traces d'un fascicule d'un brevet européen. J'ai un fascicule dans les mains comme quoi il y a bien un brevet européen indiquant nouvelle souche de coronavirus associé au SRAS et à ses applications. Voilà, donc c'est le numéro de brevet que vous avez en dessous, en bas. Il va vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour aller vérifier, aller même voir sur internet ce que c'est exactement ce brevet. Je vous mettrai le lien, vous pourrez aller le télécharger. Je vous conseille de le télécharger avant qu'il l'enlève. Site officiel, B comme... Par contre, j'ai peur que cette vidéo, je l'ai vue le lendemain, j'ai peur que ça soit déjà retiré. J'espère vraiment pas, on va les voir Bertha ensemble. 1. Donc personnellement, je suis en train vraiment de regarder minutieusement, mais on voit que le numéro de brevet qui nous a mis sur la vidéo, c'est bien le numéro de brevet qu'il y a ici. Donc toutes les informations qu'il nous a données sont sur le brevet en fait. Voilà ce qui est en train de nous tuer aujourd'hui. Le brevet, vous l'avez là. Vous commencez sur la première page, les inventeurs. Inventeurs, j'insiste, inventeurs. Ils ont inventé, tout est indiqué, les prélèvements. Le premier prélèvement, à Hanoï. On a les inventeurs sur la première page, donc je vais peut-être pas vous les relater, hein, vous donner, vous voulez les prénoms, je peux vous les donner, mais vous les aurez par vous-même parce que je vais vous mettre le lien. Il est en trois langues, français, vous comprendrez pourquoi après, en allemand et en anglais. J'insiste, la présente invention est relative à une nouvelle souche de coronavirus associée au syndrome respiratoire aigu sévère SRAS. Issue d'un prélèvement répertorié sous le numéro 03 15 89 et prélevé à Hanoï au Vietnam. Vous avez 300 pages. Avec l'équipe qu'on a constituée, on a épluché. SRAS en français s'est propagé dans différents pays, Vietnam, Hong Kong, Singapour, Thaïlande, Canada. On vous parle de 2002. En mars 2003, un nouveau coronavirus. En mars 2003. Vous allez sur la page 5, c'est intitulé 026. Je vais vous la lire, c'est impressionnant. La présente invention a également pour objet un polynucléotide isolé ou purifié en cas où la séquence de celle du génome de la souche isolée du coronavirus telle que définie ci-dessous. Dépôt de la souche bactérienne. Elle a été déposée où cette souche? Collection nationale de culture micro-organismes, 25 rue du Docteur Roux, 75 724 Paris CEDEX. Toutes les souches ont été déposées, les voici. Toutes les souches ont été déposées. 2004, coronavirus. Décrivent également un virus rougeole recombinant codant pour des polypides de la famille de la protéine S, telle que définie ci-dessous. Les inventeurs décrivent également l'utilisation d'un vecteur selon les alinéas, la protéine S qu'on aurait vu associée. Ça veut dire que ce virus, ils ont fait des recherches. On vous parle de la rougeole aujourd'hui. En 2003, ils étaient déjà sur les qui-vivent. Coronavirus associés au SRAS sont utiles pour diagnostiquer l'infection telle qu'on aura virus. L'infection détectée par les techniques appropriées, notamment EIA, ELISA, ARIA, immunofluence, à partir des échantillons logiques prélevés chez des individus susceptibles d'être infectés. On sait comment détecter les gens qui sont atteints. Des tests ont été faits sur les souris ou des antidotes ont été testés avec succès. Et que les gens ouvrent les yeux et arrêtent de regarder la télé. D'accord? Je pense que c'est pas une épidémie comme on veut vous faire croire, c'est une pandémie. Cette vidéo date à mon avis déjà de plusieurs jours parce qu'il parle d'épidémie et pas de pandémie. On est bien dans un cadre pandémique depuis quelques jours en tout cas. Des tests ont été faits sur les souris et les lapins. Car les souris, les lapins ont très bien réagi aux injections. Tout y est, j'ai 300 pages, tout y est, je peux vous les donner. On a des groupes avec 7 souris, elles sont immatriculées, vous inquiétez pas, ils ont fait ça bien. Hein. Des sérums ont été mis en place dans lesquelles des unités de transcription supplémentaires ont été introduites. Ils utilisent la rougeole pour trouver l'antidote. Sérum de patients atteints de pneumonie atypique. Le sérum référencé au Centre National de Référence des Virus Influenza, Région Nord, sous le numéro, il y a les numéros 233, est celui d'un patient français atteint du pneumonie atypique causé par le SRAS-CoV. SRAS-CoV, pourquoi CoV? Coronavirus, bien sûr. Prélevé jour 38 après les débuts de symptômes diagnostiqués. Et on vous dit que c'est un nouveau virus? Les délais d'infection. Le sérum patient classé comme le probable SRAS à l'hôpital français à Hanoï. Vietnam, en relation avec l'hôpital français de Hanoï, JYK, et les DITOTAP permettent de documenter l'infection, excusez-moi, par le SRAS-CoV chez tous les patients pour les sérums prélevés 12 jours. Ils ont été voyants. On va aller au résultat. Enfin, les anticorps induits chez les souris après immunisation génique neutralisant l'infectivité du SRAS-CoV in vitro figurent 28A et 29B à des titres qui sont de rapport avec les titres mesurés par ELISA. Ça veut bien dire que ça a été maîtrisé, non? À qui profite le crime? Là, voilà la question. L'histoire répond à chaque fois à toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé en Chine? 1 300 000 Chinois ont été vaccinés. Par qui? Institut Pasteur avait
L'antidote, mon avis personnel et pas l'avis de l'équipe, on laisse rentrer cette saloperie pour qu'il y ait le plus de gens contaminés. Institut Pasteur va sortir un vaccin. Et c'est qui va l'acheter? Ceux qui auront de la thune? Je vous demande juste de partager. C'est pas du pipeau. On a le dépôt, bien sûr. C'est qui a déposé? Je vous le mets dans le mille, les mille, comme disait Coluche. Je vous le dis déjà, j'ai pas de moto, donc il n'y a pas un canon qui va me percuter. Je vis très bien, donc j'ai pas envie de me suicider. Déposé par les Français, bien sûr. Non, tout ça, par contre, vraiment, cette phrase-là, elle me donne le frisson. Donc s'il lui arrivait quelque chose, c'est que c'était pas de façon naturelle. Déposé par les Français, avec un numéro européen que vous trouvez sur la première page. Dans l'antivirus, dans le vaccin que vous verrez, il sera étrangement très près du vaccin de la rougeole. Les enfants qui sont immunisés contre la rougeole, il y a toujours des cas. Là-dessus, on peut pas dénier, il y aura des cas. Et à l'intérieur, vous trouverez une partie de rougeole. Voilà, simplement. Ce que je vous propose, c'est qu'on tape ce numéro de brevet là sur Google, voir ce que ça peut éventuellement donner. Mais en tout cas, si ça date déjà de plusieurs jours, je pense qu'ils ont dû peut-être faire disparaître certains trucs brevets. Il y a déjà des gens qui commencent à en parler. Bizarrement, les gens, quand on tape le nom du brevet, on arrive sur le premier lien sur une vidéo de France 24 contre le coronavirus, des essais prometteurs. Ça date du 17 mars d'hier. Il y a des gens qui ont repartagé le brevet en fait. Il a été téléchargé et redéposé. Regardez même ici là. Apparemment ça peut être visible. Attends, on va regarder. Cette publication a été supprimée ou ne peut pas être chargée. Waouh. Il y a un truc là les gens. Il y a un truc. C'est bizarre. Il faut vraiment partager la vidéo au maximum. Que ça soit vu le plus de gens possible. S'il vous plaît, la likez, la partagez. J'ai réussi à sauver les 110 premières pages du brevet. Puis blocage. Vidéo sur YouTube. J'ai même pas pu regarder la vidéo en entière. Elle a été supprimée au moment. Il y a des gens quand même qui ont eu le temps de le retélécharger apparemment. Mais Il doit être trouvable, mais compliqué. Vous pouvez mettre sur le brevet sur transfert, transmettre les commentaires, j'ai pas web transfert. Non, il y a un truc chelou, les gars. Il y a un truc chelou. Donc, je vais vous répéter, partagez au maximum cette vidéo vraiment d'urgence. À bientôt pour d'autres vidéos. J'ai rien d'autre à dire.